Web design de site, le header, partie CSS. Alors maintenant, je suis dans mon fichier CSS. Je vais, dans un premier temps, définir le conteneur header. Alors, le sélecteur header, c'est header. On va ouvrir notre accolade et on va lui mettre un background de point URL. Ouvrez la parenthèse apostrophe image slash séparateur.png. Donc ici, il s'agit de mettre une petite imagette qui ressemblera à un trait horizontal. Donc c'est une toute petite image qui s'appelle séparateur.png. Voilà. Et que l'on va répéter en X à l'infini pour que ça remplisse la fenêtre. Repeat-x bottom pour que ça apparaisse bien sûr en bas du header. Point virgule. Ensuite, notre header, ça va être notre flexbox. Donc ça va être le conteneur. Donc on va mettre un display de point flex. Point virgule. Ensuite, on va mettre un justify content pour justify content deux points space between. Point virgule. Voilà, j'explique un petit peu ce que c'est que le justify content space between. En fait, lorsqu'on a notre cadre là, qui se trouve ici, c'est notre sélecteur header. À l'intérieur, on a mis des divs. Et avec space between, eh bien, on va se retrouver avec des éléments qui vont être espacés les uns des autres. Donc voilà, c'est le justify content space between qui va permettre de mettre bah, d'un côté mon logo et puis à côté le titre principal. Qui apparaît dans une autre div. On avait un div logo, on avait un div titre principal. Voilà, alors essayons de le faire et puis on verra ce que ça donne. Je réduis, hop, on revient ici. Donc dans mon header, j'ai mis mon justify content space between et on va mettre un null-align items. Items, deux points, flex end. Accolade. Voilà, donc justify content, c'est l'axe principal et align items, c'est l'axe secondaire. Il sera à la fin. Alors, je vais tout de suite enregistrer ça. On va regarder ce que ça donne. Donc, on est là-dessus. On va actualiser. Et donc, on a notre trait là horizontal qui apparaît en bas. Et on va maintenant disposer nos éléments, puisque là pour l'instant, on a défini que le conteneur, mais nos divs qui sont ici. Là, c'était le logo, le titre, la loutre d'Europe. On va maintenant gérer les alignements. Alors pour cela, on va déjà gérer le titre principal. Donc on avait première ID qui s'appelait titre principal. Titre principal. On va mettre l'accolade. Et on a un display de point flex. Point virgule. Et puis on a un flex direction colonne. Direction deux points colonne. On met point virgule et on ferme notre accolade. J'enregistre le titre principal. Je rappelle, il est ici. Div ID titre principal,
Il englobe le div classe navig avec le H5, le div logo et, voilà, et le div, et le div logo. Donc en fait, il en englobe deux. Hop. Donc c'est le H5, la loutre d'Europe et ça. Les deux étant dans un bloc et ça étant dans un autre bloc. Voilà, donc là, on le ressort un peu mieux. Repart dans notre CSS. Je fais mon alignement. Donc maintenant, on va gérer le logo. Dièse logo. Alors, notre logo, il va avoir un display flex, bien sûr. Display 2.flex, point virgule. Un flex direction row. Point virgule. Et un align items center. Point virgule. Et on ferme. On enregistre, on actualise. Voilà, donc là, on a bien nos deux objets qui sont côte à côte. Ils sont bien en align row. J'ai perdu mon CSS. Voilà, flex direction row. Ce qui permet comme ça de les mettre côte à côte. Dans le logo, on a les deux éléments que sont le texte et l'image qui vont se retrouver côte à côte. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est repositionner l'image. Donc on va mettre ici dièse logo img. Donc ça signifie je gère l'image qui se trouve dans logo. Donc c'est la petite loutre qui s'est mise à droite du titre H1. On va mettre un width de 59 pixels. Là, ça a été retouché, ça a été calculé, ça va faire des essais-erreurs. Un width de 59 pixels et puis un height de 60 pixels. Voilà pour l'image du logo que l'on a un peu retouché. On peut regarder, hein, ça n'a pas changé grand-chose. Hop, vous voyez, on l'a retaillé, elle est un petit peu plus petite. Et maintenant, on va gérer le titre H1 du header. On va mettre header H1. Nous avons donc un font family. Là, on va utiliser le CAC champagne. Regular. Et si ça ne marche pas, on va mettre le sérif. En font size, on va mettre 1.1 EM. J'ai oublié le point virgule. Pardon, 2.5 EM, faut il faut qu'il soit beaucoup plus gros.
2,5 EM, point virgule. Le font weight en normal. Un margin de 0, 0, 0, 10 px. Donc là, on règle les marges par rapport au texte. Et on peut fermer notre accolade. Ctrl S, on va voir un petit peu ce que donne le H1 du header. Hop, on le repère. Hop, vous voyez que là, on a bien CAC Champagne qui apparaît. Et donc, on a retaillé un petit peu l'image, mais ça, on l'avait déjà vu. On pourrait essayer d'espacer un petit peu plus. Mais bon, on va laisser comme ça. Ensuite, on va travailler le H5 qui est là. Donc, pour retravailler le H5, on va faire pareil. On va faire header H5. Header H5, on va ouvrir l'accolade et là on va faire une petite retouche sur le H5, c'est-à-dire qu'on va faire un font family 2 points dayroom virgule serif point virgule font size 2,1,1 EM, point virgule. Margin top. 2,0 px. Point virgule. Font weight. 2 points normal. Point virgule. Accolade. Donc là, on va retoucher un petit peu légèrement l'écriture du H5. Ctrl S. On va voir tout de suite ce que ça donne. On retouche. Voilà. Et donc là, on a retouché un petit peu l'écriture du H5. On voudrait maintenant placer une petite imagette là pour faire ressortir l'article. Donc là, l'imagette qu'on va placer, ça va être du HTML et après on le positionnera un petit peu mieux en CSS. Donc je vais retourner dans mon HTML. Donc je prends sur index. Index, je vais chercher là où j'ai écrit la loutre d'Europe, donc mon titre. Mon titre, il doit être ici. Les loutres. Mon index, c'est les loutres. On va donc modifier ce H1. En mettant une classe. Donc mon H1 il est ici. À côté du H1 et avant le titre les loutres, je vais tout de suite ajouter une image. IMG SRC. Et là le nom de l'image, alors c'est image slash img src image slash ico épingle point png guillemets. On va mettre alt égale article article classe égale guillemets ico catégorie. Et là, on va le fermer. Voilà, donc ça, c'est mon image. Donc j'ai une im je veux placer avant le titre les loutres. Une image qui se trouve dans un dossier image qui s'appelle icoépingle.png. Si l'image ne peut pas s'afficher, j'écrirai article. Et la classe qui va permettre sa mise en forme sera icocatégorie. Ça, c'est ce que je viens d'écrire dans le H1. Et ça, je vais le recopier sur tous mes articles. Donc là, on va faire CTRL S, donc toute l'image en fait.
Je vais la mettre. Donc dans la loutre Europe, j'ai aussi un H1. Faut juste bien le trouver. Il est ici. Et avant la loutre d'Europe, on va le coller. On le sauvegarde. On prend maritime. Avant le H1 de la loutre maritime, on colle l'image. On sauvegarde. On prend la page contact. À gauche de formulaire de contact, on colle. Et je remets toujours la même image au même endroit. Ctrl S. Maintenant que tout ça s'est sauvegardé, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, hop, je reviens ici, j'actualise. Et donc j'ai ma petite icône. Et en fait, quand je vais d'une page à l'autre, voilà, je retrouve ma petite icône partout. Le problème, c'est qu'elle est un peu placée trop haut. Donc je vais la descendre. C'est pour ça que j'ai mis une classe icône catégorie. C'est pour régler sa taille. Enfin, son positionnement plus exactement. Donc je retourne maintenant dans le CSS et je vais créer dans ma section header toujours. Hop, je vais à la ligne. Et là, je vais mettre un point ICO catégorie. C'est une classe. Point ICO catégorie. ICO catégorie. Je crois que c'était comme ça qu'on l'écrivait. Oui. On va me faire un vertical align de point middle. Ça, il sera moins décalé vers le haut. Il va se mettre bien au milieu du texte. Et on va faire un margin right de 8 pixels pour l'écarter un petit peu. Margin right de 8 pixels. Ferme la collade, on sauvegarde, on décale, on sauvegarde et on regarde ce que ça donne. Donc ça devrait baisser normalement. Hop, vous voyez, tout s'est bien aligné au milieu, c'est beaucoup plus propre. Ça aurait fallu pousser aussi de 8 pixels, ça aurait été un peu mieux, mais c'est pas grave. On va maintenant s'occuper des liens de navigation qui sont dans le header. On va le faire tout de suite. Donc on retourne ici, on est toujours dans le header. On va gérer maintenant les liens de navigation. Étoile slash. Donc on va faire les UL de la barre de navigation. Donc nav UL, accolade. On va mettre un list style type de point none, point virgule, display flex pour que ce soit côte à côte, justify content, hop, j'ai oublié d'aller à la ligne, justify content. De point flex end. Ça, il va aller au bout. Point virgule. Accolade. On se remet au début. On fait une tab. On enregistre. Et là, ma liste déroulante, on va enlever les puces et ils vont se mettre côte à côte. Hop. Et ça se met au bout puisqu'on était en flex end. Par contre, tout est collé, donc on va les espacer un petit peu. Mais en tout cas, on voit bien le flex end qui se colle à droite. Je reviens maintenant dans mon CSS et on va améliorer ça avec un nav lit. C'est-à-dire qu'on va gérer les éléments de la puce. Nav espace lit. Chaque les éléments d'item, on va les espacer les uns des autres. Voilà. Donc le nav lit, on va faire un margin right on va faire un margin right de 15 pixels.
Juste ça va me permettre de les espacer un petit peu plus. On revient ici, on actualise, et hop, vous voyez, là, la loutre d'Europe, il y a un espace, la loutre maritime contact, on en a 15 pixels. Alors maintenant, on va améliorer un petit peu la présentation de ces éléments. C'est donc les liens eux-mêmes qu'on va retravailler. On va faire un nav A, donc les liens hypertextes de la barre de navigation. On va faire un font size 2.1.3 EM, donc on va y mettre à 130%. Color 2 points, et là on va les mettre dans une couleur 18, 18, 18. Padding bottom, donc là on va retoucher un petit peu leur positionnement de 3 pixels, parce que je l'ai trouvé un petit peu trop proche du trait. Et un texte decoration de point none pour qu'il n'y ait plus de soulignement. On va voir un petit peu si tout ça s'est bien effectué. Hop, ça s'écrit en un peu plus gros avec la police de caractère et ça s'est un peu éloigné. Donc c'est déjà beaucoup plus propre. On va effectuer maintenant un effet de survol, c'est-à-dire quand ma souris va passer au-dessus, je veux que ça se mette un petit peu en forme. Donc on va changer un peu la couleur. Donc si je vais appliquer un effet de survol, ça va être un nav à 2 points over. Nav à 2 points over. Accolade. Je suis pas sûr, là on voit très mal. VER. Ouais, j'avais dû faire une faute. Accolade. Et là, donc le A2.over, on va changer la couleur quand ça survole. Color 2 points. Hashtag 76 0001. Et on va faire un border bottom. C'est-à-dire, on aura l'impression qu'il y a un petit trait qui va se mettre là où on survole. On verra ça. Border-bottom. 2 points. 3px. Point virgule. Solide. Espace. Hashtag 76 0001. Point virgule. Et on va pouvoir fermer la collade. Alors, voilà ce que ça fait. Je fais juste bon, ma petite tabulation. Contrôle S. On revient ici. On actualise. Donc là, rien ne change puisque j'ai fait juste un effet de survol. C'est quand je survole, on voit que ça change légèrement de couleur et il y a un trait de soulignement. Vous voyez, au fur et à mesure que ma souris passe, il y a le changement de couleur et il y a le tiret de soulignement qui apparaît. C'est assez sympathique. Voilà, donc là c'était le header. On a défini le header. On va maintenant mettre une bannière en dessous du header qui séparera l'article.